Panique et évacuation générale en ce début d'après-midi, lundi. C'est le chaos sur l'avenue Bourguiba, la grande avenue, le cœur du Tunis moderne. Le terrorisme vient encore de frapper la Tunisie en la personne d'une femme kamikaze qui est morte en se faisant exploser à proximité de forces de police au niveau du théâtre municipal. Le premier bilan fait état d'une dizaine de blessés, dont une majorité de policiers qui ont pu être transportés dans les hôpitaux de la capitale. Les sites d'information tunisiens ont donné l'identité supposée de l'auteur de l'attentat suicide. Il s'agirait d'une certaine Mouna Kebla, originaire de Sidi Alouane dans le gouvernorat de Madia. Elle était âgée de 30 ans. Une accompagnatrice aurait été arrêtée selon Réalité Online. D'autres sources font état de 5 autres femmes arrêtées. Cet attentat est intervenu juste après une marche de protestation dénonçant la mort d'un jeune homme, Ayman Othmani, tué le 23 octobre pendant une opération des douanes. Néanmoins, on ne sait pas si les deux événements sont liés. Il s'agit du premier attentat dans la capitale tunisienne depuis le 24 novembre 2015, quand une attaque suicide contre un bus de la garde présidentielle avait tué 12 agents. Elle avait été revendiquée par le groupe djihadiste État islamique. Pour le moment, l'opération de ce lundi n'a pas été revendiquée.